engins en mouvement, techniciens à l'œuvre, ce sont là les images que renvoie le vaste site terrassé de la zone balnéaire d'Ablikété, dédié à la construction du boulodrome moderne aux normes internationales par le gouvernement du Bénin pour abriter les 50e championnats du monde de pétanque de 2023. Plus de place aux spéculations, pas 7 ans de veille de joute électorale. Pour avoir entendu beaucoup de choses et pour éviter des cas d'objection de conscience, les dérapages de toute nature et d'autres contre-vérités, en ce moment précis où le Bénin, comme vous le savez, fait face à un pan de son histoire politique, il est important pour nous de vous inviter et de vous amener à être au même niveau d'information en ce qui concerne bien évidemment l'implantation du boulodrome qui doit abriter la 50e édition du championnat du monde de 2023. Actuellement, nous sommes sur le site et je suis assis dedans, pas en dehors, je suis assis dedans. Il vaut mieux faire des enquêtes sérieuses avant de prendre la parole. Avait dit quelqu'un, père à son âme, une haute personnalité de ce pays. Ce n'est pas une conférence de presse, mais c'est juste une information suivie de constats. Puisque vous êtes là, vous constatez, au même titre que moi. La machine de la construction du boulodrome est bien lancée. On va construire le boulodrome. Ça vient à réaliser à la fin de juin 2023 pour prendre les championnats de pétanque. Nous sommes maintenant dans l'état de mobilisation pour sécuriser tous les chantiers, premièrement, pour amener tous les bureaux et toutes les places nécessaires pour construire ça, pour amener tous les outils et tous les matériaux. Et parce qu'il y a beaucoup de matériaux, ça vient importer. C'est pas quelque chose de facile, c'est très facile, parce que ça, nous, on travaille ensemble avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre pour amener le maximum d'accélération dans l'approbation de tous les matériaux et tous les dossiers d'exécution. C'est très important, ça, maintenant, ça étape. Comme ça vient, commence prêt. Nous sommes à la 50% des dossiers d'exécution. 50%. Nous sommes déjà démarré les travaux des dossiers d'exécution. Nous avoir l'approbation des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour, je pense, on va démarrer les construire et les exécutions sur les terres à la première de décembre. Les potentiels hôtes du Bénin, en Afrique et dans le monde, pour 2023, peuvent être rassurés. Chaque fois, les gens m'appellent à l'international pour savoir est-ce que ce championnat aura lieu dans le boulodrome à Cotonou. Et je me plais à dire que le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement s'attellent de façon très sérieuse afin que ce que nous attendons tous puisse avoir effectivement lieu. Assurance aussi pour la Confédération africaine des sports boules et fierté pour le peuple béninois. En ma qualité de premier responsable de la Confédération africaine des sports boules, c'est d'abord l'Afrique qui doit pouvoir s'en réjouir. C'est surtout le Bénin qui doit pouvoir capitaliser les fruits que vont générer l'organisation d'une telle compétition. Le directeur du projet renseigne sur les caractéristiques de l'ouvrage et promet un joli boulodrome. Superficie pour tous les passerelles, c'est à 40 000 mètres carrés. Ça vient 200 mètres comme ça, 200 mètres comme ça. Les bâtiments seuls, ça vient approximativement
5000 mètres carrés. Et tout autour du bâtiment, il y a beaucoup d'aménagements. Il y a les bâtiments techniques, il y a beaucoup de bungalows, il y a une place pour reste, il y a une surface approximative 5000 mètres carrés, c'est un pétanque d'extérieur, tout ça. C'est là-bas, c'est la place où les bâtiments, dans les moitiés, il y a les grands bâtiments de Bolodrome. À sa côté, il y a tous les parkings pour les engins et les motos. Et l'autre côté, il y a le pétanque, qu'est-ce qu'il a ouvert. Il y a une place pour le pétanque couvre, il y a une place pour le pétanque ouvert. Donc, il y a beaucoup de places pour jouer les pétanques. Ça là, avec un VRD très grand et un management très joli. Et ça vient un peu avec une charpente de bois, avec une fausse façade perforée, avec aluminium laqué et avec une couleur. C'est un peu proximate que Karakuta. Donc, c'est un bâtiment, ça vient vraiment, vraiment et très joli. Reste donc à croiser les doigts pour voir prendre corps le joyau architectural qui va accueillir le monde des sports boules dans la première quinzaine de septembre 2023.